ton remplissage d'ossature bois. Mon remplissage, donc, ça va être terre paille. Ça, je vais découvrir sur chez moi. Et je vais être aidé par des amis qui, eux, font du terre paille depuis longtemps. Voilà, okay. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils en font. Moi, je ne sais pas en faire. Moi, c'est eux, je parle avec eux, je connais à peu près les principes. On échange, les solutions techniques, c'est eux qui me les donnent. On trouve une solution qui est cohérente. Et l'avantage, par exemple, d'un remplissage terre paille, c'est que c'est un remplissage qui est relativement accessible et simple à faire. C'est quelque chose qui, en fait, demande plus de main-d'œuvre que de technique. C'est ça, comme à l'ancienne, en fait. Et en plus, là, tu retournes sur de l'expérimental, ce qui revient beaucoup à la mode, d'ailleurs. Hein, tu le vois, enfin, tu as peut-être vu dans les recherches de bâtiments, il y a un magazine qui s'appelle The Pro, là, qui est un truc du bâtiment, enfin, qui se décline sur d'autres secteurs. Et The Pro, lui, il raconte justement ce qui se passe sur l'évolution, en fait, des techniques de bâtiment. Et tu vois de plus en plus, au-delà de l'isolation externe, qu'il y a des retours, en fait, au simple. Ouais. Après, à l'ancienne, quoi. C'est plein. Moi, j'aime pas le mot l'ancienne. Comme on dit, moi je travaille où je fais du à demain. Moi j'aime bien le à l'ancienne, ça m'appelle DJ Abdel et des anciens trucs. Mais à l'ancienne, voilà. J'aime bien parce que pour moi, tu as ce côté savoir-faire, tu vois. Oui, mais moi le côté à demain, c'est que pour moi, c'est pas une technique. Le côté à l'ancienne va pouvoir le retirer sur un côté plus folklorique, obsolète. Alors que pour moi, toutes les techniques ne sont pas obsolètes ou folkloriques, ce sont les techniques de demain. Puis bon, oui, parce que là, on a eu cette période de révolution industrielle où tout le demain a été remplacé par ce gain de productivité, etc. Et maintenant, on retourne doucement, pas tout le monde, mais c'est une solution d'avenir pour moi. En fait, c'est pas je ne travaille pas comment je travaille, mes choix constructifs ou autres, pour que ce soit pour chez moi ou pour mes clients ou autre, je ne le fais pas par idolâtration des anciens ou parce que les anciens travaillaient bien, savaient ce qu'ils faisaient. Non, les anciens, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient les trois quarts du temps. Donc, à un moment, Alors, je ne suis pas d'accord. Il y a eu tellement d'empirisme et d'expérience qu'il y a un moment, ils ont choisi les meilleures solutions. Après, je pourrais te faire des albums photos complets de charpente mal foutues, avec des défauts de conception phénoménaux. Il y en avait qui savaient ce qu'ils faisaient. Il y en avait qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Partout pareil. Voilà, non, c'est ça. Ça a pas changé, toujours pareil. Donc, on a vite fait quelquefois une sorte de suridolatration, je trouve, et le côté de « Ah oui, non, mais lui, il savait ce qu'il sait. » Voilà. Et quelquefois, surtout quand il y a des gens quelquefois, qui maintenant ont 60, 70 ans, qui parlent des anciens, eux qui sont ceux qui ont ramené le béton et le ciment. Donc, justement, on y vient, c'est par rapport à l'art expérimental. C'est bonjour à tous. Je fais une parenthèse deux secondes pour vous accueillir sur donc, un nouveau parcours de vie aujourd'hui avec Gustave Raymond. Bonjour Gustave. Bonjour. Qui est spécialiste de la taille de bois à la hache à l'ancienne, c'est-à-dire à demain, comme il le dirait. Donc toi, tu es passé par Guédelon, tu es passé par plein de choses. On va voir aujourd'hui. Et là, on a attaqué effectivement déjà cette émission pendant que Guillaume, donc notre réalisateur qui est derrière, était en train de configurer les caméras. Donc, on a papoté et on a préféré démarrer donc in media res, j'adore ça, l'interview. Donc, en fait, ce truc-là de « à demain », en fait, ça me rappelle le monde romain et l'archéologie parce que ce qu'on retrouve beaucoup, en fait, c'est des maisons ou des choses de riches. Très peu, en fait, du commun des mortels, c'est ça. Donc, on garde en mémoire des choses qui étaient plus exceptionnelles, on va dire. Ouais. Et c'est, je pense aussi, ce truc qui fait dans le commun, en fait, des pensées, de se dire, ils faisaient tous formidables. Voilà. Mais en fait, non. C'est ça, c'est ce côté-là de… on a des artisans compétents et incompétents, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a plein de… Et je pense qu'on a toujours un rapport par rapport au délai, au temps, aux clients, aux besoins, aux matériaux qu'on a sur place. Donc, quelquefois, la solution, elle est… Voilà, je prends un exemple là, qui me passe par la tête, parce que c'est les questions qu'il me pose. La chaume, qui est un matériau de couverture qui a plein d'avantages. Mais aussi, c'est quoi la chaume parce que… La chaume, alors la chaume, elle est différente. Elle peut être de roseau, de blé ou de seigle. Ok, c'est des tiges en fait, qu'on pose. C'est des tiges végétales qu'on va mettre en ballot et lier. Donc, après, il y a plein de différentes techniques de pose selon les régions, les habitudes. Pour le toit. Pour faire une toiture. Et ça, on voit, la chaume, elle a plein d'avantages et d'inconvénients. Ça a été le matériau de couverture principal sur toute la France et l'Europe pendant très très longtemps. Quasiment dire 18, 19e, voire début 20e, puis qui est totalement périclité pour différentes raisons. Mais il y en a, l'intérêt qu'elle avait, c'est un intérêt très économique de vitesse de production, alors que c'est une mise en œuvre qui est longue, et un matériau de couverture qui est relativement peu durable par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'avait pas cet intérêt qui n'était pas posé. Dans le fond, il avait un intérêt, et c'est ce choix économique qui va amener à un intérêt d'utilisation de cette ressource-là. Et du coup, quand on dit « Ah, les anciens, ils savaient ce qu'ils faisaient », quelquefois, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est juste qu'ils avaient le bon bout de bois et que ça tombait bien et du coup, ils ont pu le mettre. C'est à peu près ça. C'est quelquefois, on en apprend à l'école. Par exemple, typiquement, en charpente, il y a la fameuse phrase qu'on va apprendre « Le cœur au soleil ». C'est-à-dire une pièce de bois, quand elle va être sciée ou autre,
on va l'orienter pour que le cœur soit vers le haut ou le soleil. Cette technique-là, oui, c'est un bon, très bon pose-bête. Donc les anciens, ouais, il était bon, il mettait le cœur au soleil. Ouais, mais quelquefois, c'est débile de mettre le cœur au soleil. Donc il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut mettre le cœur au soleil. C'est une règle qui va marcher 8, 9 fois sur 10. Par contre, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Parce que bah, du coup, ça va jouer sur les tensions dans le bois, ben, le pourriture. Donc, voilà, ben, c'est ça. On parlait avec les troisièmes, là, je me souviens en philo. On parlait de la mimésie, c'est-à-dire le fait de copier, 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 et qu'à un moment, il faut sortir de la copie. Ouais. C'est ce pourcent-là, justement, qui permet d'aller au-delà et à chaque fois d'innover et de créer, et de se dire qu'on peut faire mieux, en fait, que simplement sur la copie qui marche les trois quarts du temps. C'est Et ça. C'est ce principe de l'humanité qui est cool, d'ailleurs, c'est que. Heureusement qu'on a ce petit pourcentage qui nous permet d'être différent par rapport aux machines. Parce que quand tu me parlais effectivement de tout ce qui était chaume, je pensais tout de suite à bah, on a les imprimantes 3D derrière où il y a toutes les Attends, on va le machines que tu cacher un avais. peu. Alors là. Alors. T'as tout, dans toutes les machines. Et je me disais, et tu me disais effectivement sur le principe de l'ouvrier, l'artisan bon ou pas bon. Et je me dis effectivement, les machines ont tendance à faire toujours parfait. Enfin, après, c'est programmé par l'homme, etc. Mais elles font d'une certaine manière les choses parfaites. C'est-à-dire qu'elles peuvent. Peut-être à terme, ce qu'on voit dans les films d'anticipation, remplacer l'être humain. Mais tu me disais, faut produire ces machines Ça, faut les aussi. produire, faut les concevoir. Et ben là, justement, tout à l'heure en bas, ils avaient du coup, il y a un boîtier plastique à percer pour une machine. Bah, mis dans la SNC, bah, là, la SNC déconne. Alors que c'est, quand on le dit, c'est 4-5 trous. Alors oui, en effet, bah, faut le savoir pour savoir percer ces 4-5 trous précisément. Là où la machine, bah, tu prends, mais bah, là, elle ne marche pas. Dans le fond, c'est 4 trous, c'est une perceuse, mais c'est savoir tracer ces 4 trous. Donc c'est différents choix de compétences. Par contre, il bah, faut savoir aussi programmer la machine. Hein. C'est un savoir-faire. Moi, je vois ça, je suis là, je fais, oula, c'est quoi tous ces boutons, quoi? C'est sûr. Oui, t'es plus rapide en ta Mais du coup, moi, compétence, c'est vrai c'est que c'est vrai. plus rapide à venir tracer précisément et le percer. Après, bah, là, parce que ça concernait un exemple de quelques trous à faire sur un boîtier, donc ça s'y prêtait bien. Sur d'autres choses, c'est totalement encore une autre histoire. Alors Voilà. aujourd'hui, parce qu'on va revenir au cœur, mais en même temps on était au cœur du bois, Oui. j'adore mes blagues. Donc Ouais. on va revenir au cœur de l'histoire. Moi je reprends souvent les parcours de vie sur la rencontre qu'on a pu faire au début, avant de rebasculer sur Oui. ton enfance et d'arriver effectivement sur ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais, parce que c'est presque intimement lié ce que tu es, ce que tu Oui, fais maintenant. On dit souvent cette expression qui est parfois un peu limite, qui est du genre qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qui a tendance à représenter qu'est-ce que tu es, mais aujourd'hui c'est différent. Mais toi, oui, tu as Oui, moi conservé c'est ça. assez. Ouais. Donc notre rencontre, oula, il y avait la scie hydraulique. Ouais, Vas-y. Cyril. Donc je fais des tonneaux, je fais des trucs en lien avec l'archéologie expérimentale. J'ai rencontré Gustave Raymond parce qu'il était en l'argot et moi aussi. Et c'était cool. Voilà. Salut. Ouais, Cyril vas-y, alors Lemoitier. raconte parce que Ouais, c'est plutôt pas enfin, mal. pour moi, c'est. Ouais, comment c'est. J'étais avec un collègue en train de forger des âneries vers chez moi. Et je reçois un appel, inconnu, je décroche. Et là, j'ai Olivier au téléphone. Donc un mec surexcité qui m'appelle. Et là, qui me parle comme si je le connaissais depuis des années. Oui, j'ai eu ton numéro par Cyril Lemoitier. Cyril Lemoitier, donc un arrêt tonneau, un tonnelier, un ami tonnelier. Oui, il est là. Et je ne sais plus s'il m'appelait par rapport au projet de la CSU, ça doit être pour la balise tout C'était de la suite. balise, j'avais commencé sur la balise. Et là, ça part sur oui, la balise, on a fait une scie hydraulique, puis ça, puis C'est de ça. partout. Et je me souviens très bien décrocher, enfin raccrocher, avoir mon collègue à côté qui était là. Pareil, non, mais c'est qui ce type? C'est un fou! C'est vrai, je te vois rigoler derrière, c'est assez juste, c'est ça. Voilà. Après, dire, et après, je fais, et dire en fait, attends, il m'a quand même appelé pour fabriquer une reproduction d'une baliste romaine, là. Ah ouais, c'est ça. Non, bah c'est cool. Puis on a repris nos trucs, puis C'est on ça. a continué à échanger pour ça, Pendant un quoi. bon moment, effectivement, et là, Voilà. donc peut-être, sûrement, tout dépend du climat du monde, mais le futur projet, effectivement, sur la scie circulaire ou la ponceuse, on verra Ouais. sur Rosé. Mais donc oui, ça a commencé comme ça, et après, donc on a pas mal échangé en mail Ouais. avec l'école centrale, entre nous, enfin, avec plein d'acteurs différents. En fait, c'est ça qui est cool dans ce type de projet, et justement, c'est pour ça que je suis très content que tu sois là, parce que toi, tu as une expérience très particulière sur le bois, sur des années, où tu as vraiment expérimenté, si on parlait d'empirisme, c'est-à-dire d'expérimentation, et c'était top. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es à l'école centrale, là aujourd'hui, pour finaliser. Tu as fait la queue d'aronde, en fait, qui va servir de culasse mobile pour envoyer les boulets. Et toi, tu l'as travaillé à la hache, à l'ancienne, à deux mains. À demain, Ouais, c'est ça, voilà. à deux mains. Ou à la main, hein, Ou à la enfin voilà. main. Et ça, c'était cool. Donc, là, j'étais très, très content de te rencontrer parce que ça nous a ouvert, effectivement, même si j'avais l'habitude de travailler avec des menuisiers ou l'école de la Giraudière, qui sont des très, très bons apprentis, enfin, très, très bons enseignants, mais il manquait le côté immersif de cette expérimentation
que tu mènes. Et c'est vrai qu'on a accès, effectivement, les projets qu'on avait pratiquement sur la baliste en fonction de ce que tu nous disais. Et là, je pense que même qu'une fois qu'on aura fait les tests, que vous l'aurez vu en réel, on va toujours réorienter parce qu'on va avoir des changements et tout ce qui va avec. Ça va être cool. Alors toi, t'en es venu à ça, comment ? Vas-y, donc on commence à tout petit, l'histoire de la hache depuis tout petit. Oui, ça remonte à longtemps. Moi, bon, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse là-dessus et d'avoir été toujours encouragé dans ce que j'aimais. Mais en gros, moi, c'est vrai qu'assez petit, j'ai toujours aimé d'être dehors. Mes parents m'ont très rapidement mis des outils à la main. J'ai des photos de moi, je pense, à 5 ans avec une scie, un casque de chantier à faire des idioties. Enfin, voilà. Je pense vers 7-8 ans, j'ai dû avoir accès à la hachette et commencer à faire des trucs à la hache. T'étais scolarisé ? J'étais scolarisé, mais c'était tous les week-ends. Quand à l'école, on me disait, ah, du coup, vous avez fait quoi ce week-end ? Ah, bah moi, je suis allé visiter ça, j'ai fait une cabane dans les arbres. Voilà. C'était ça. Voilà, moi, j'étais à jouer comme ça un peu tout le temps. Puis j'avais la chance d'avoir grandi sur un terrain où mes parents avaient. On avait de l'espace, il y avait du bois, puis pas inquiet. Bah, mes deux parents aussi, eux, sont anciens chefs éclaireurs et louveteaux. Donc, ils ont l'habitude de gérer des enfants dans les bois à faire des idioties. Donc, ça allait très bien. Donc, voilà, moi, j'ai passé mes week-ends à dormir dehors dans des cabanes, à faire des trucs. Puis, du coup, il y a eu cette question où, pendant très longtemps, j'ai quand même voulu travailler dans le bois. Alors que dans ma famille, il n'y a personne qui travaille dans le bois. Il n'y a aucun artisan. Et moi, le bois, ça me plaisait. Justement, dans les petites anecdotes rigolotes que je peux dire, je devais avoir 6-7 ans. Et donc, c'est une histoire que ma mère m'a rapportée. Que je lui ai dit que moi, quand je serai grand, je vais être bûcheron. Mais avec une hache, c'est quand même vachement mieux. Donc, c'était déjà assez ancré, mine de rien. Et, bah, j'en suis pas trop mal sorti parce que maintenant, je fais du bûcheron avec la hache quand même en partie. Donc, c'est quand même pas mal. Mais voilà, j'avance en scolarité. Tu fais collège lycée classique ou pas? Justement, je viens de réaliser, je fais ma scolarité classique. Oui, mais non. Donc, il se trouve que je pars vivre à l'étranger. Donc, courant primaire, c'était de 8 à 11 ans. J'habite en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, où là, je fais un an. C'était pas la période compliquée? Non, c'est 10 ans après le conflit, en gros. Le conflit, c'est 94, 96, ouais, voilà. Nous, on était du coup une dizaine d'années plus tard. Donc je fais un an à l'école à la maison, on continue, puis après on va dans une école internationale, où là du coup j'apprends l'anglais en partie. On rentre en France, du coup je réintègre le collège de secteur, on refait 3 ans en France, donc ça me fait 5e, 4e, 3e. Stage de 3e, par rapport au bois, je vais dans une menuiserie, une charpente menuiserie en Savoie. Avec un super paysage, super vu, où là je fais waouh, oui, non, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Voilà, on repart à l'étranger. Donc là, c'était Macédoine et Kosovo. Donc ça correspond à mes 3 années de lycée, que là je fais tout par correspondance avec le CNED. Je vois le CNED. Alors, justement, j'ai tenu 2 ans et 6 mois. Et les 6 derniers mois, j'ai un peu pété un câble. Et du coup, je suis rentré en France et j'ai fait mon dernier trimestre de. Terminale en France. Donc j'ai fait une partie de mes épreuves de bac à l'étranger, une partie de mes épreuves de bac en France. Ah, mais t'es balèze quand même, parce que tenir le CNED, c'est une sacrée. J'ai pas tenu justement. Ok, d'accord, ouais, voilà, mais même. Voilà. mais c'était un peu. Sur l'histoire là-dessus, c'est une époque où moi, en réalité, j'hésite entre deux métiers, la charpente ou l'armée. Je fais ce qui s'appelle une préparation militaire découverte. Donc c'est possible, il faut aller centre de recrutement de l'armée de terre, et là tu demandes, et c'est gratuit, de 16 à 25 ans, si mes souvenirs sont bons, tu peux du coup aller faire un stage dans différents régiments. Donc moi je l'ai fait parce que vu que si je m'engageais, je voulais faire un truc un peu rigolo, je l'ai fait au SNEC, donc Centre National d'Entraînement Commando, à Montloup et Collioure, pendant 10 jours, où là je me suis éclaté, mais j'ai fait, ouais non, je vais aller en charpente. Donc bon, c'est 10 jours de parcours d'obstacles, d'acrobranche en quelque sorte, et physique. J'ai vu que moi, le côté très collectif et tout ça, de hiérarchie, ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit, bon, du coup, ça sera la charpente.
Donc là, ça, c'était, j'étais au du coup, période lycée, j'étais, j'étais revenu en France pour faire ça. Et du coup, fin de lycée, le fameux APB, admission post-bac, que moi, je n'ai jamais ouvert ni jamais rempli, parce que je savais que je voulais aller en charpente. Et du coup, j'étais déjà inscrit pour faire mon CAP, mon CFA, mon CAP chez les compagnons en charpente. Donc, je me souviens tous mes professeurs sur mes du coup 3-4 mois de lycée qui étaient là. T'es sûr que tu veux pas ouvrir un PB? Non, mais je suis déjà pris. Ah, mais t'es où? Bah, chez les compagnons en CAP charpente. Tu veux pas faire plutôt ingénieur ou architecte? Quand même, tu as les capacités. Non, moi, ce que je veux faire, c'est tailler des maisons en fait. Moi, je veux faire du bois. Donc voilà. Donc, je passe mon bac et j'enchaîne du coup sur mon CAP en charpente construction bois. C'était où? Dans quel lieu là? Alors, mon bac, je l'ai fait du coup région parisienne vers Fontainebleau-Melun, où il y avait notre maison de famille et là où j'ai grandi en partie quand j'étais en France. Enfin, mon bac. Les quelques mois de lycée, je les ai fait là. Et le CAP, compagnon? Le CAP, du coup, chez les compagnons, je dépendais de la maison d'Auxerre, en Bourgogne, et mon centre de formation était à Besançon. Donc, je faisais aller-retour Auxerre-Besançon sans le permis, donc en train avec clé de portage, casse à outils sur le dos, 2 semaines de fringues et matos de dessin. Donc, c'est un sac à 60 kilos. Ouais. Super pratique de prendre les barres de métro avec. Hein. Merci la RATP pour leurs barres de métro, absolument pas pratique quand on a un sac. Moi, je me souviens de devoir mettre mon ticket, glisser la clé de portage pour passer. Oups. Et moi, sauter par-dessus la porte. Parce que bah, le truc se refermait en fait. Donc, voilà. Et après, remettre pour reporter, remettre le sac sur le dos et repartir plus loin. Bref. Donc, je fais mon CAP en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, CAP en charpente, charpentier-bois, où je découvre la charpente. Parce que moi, en fait, je m'étais lancé là-dedans, sachant que ça me plaisait, mais sans avoir aucune conscience de ce, non plus, ce qu'était la charpente. Je veux dire, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'écoute ça, ça devient une vraie passion pour ça. Je fais mon CAP en charpente, ce que j'aime, je me rends compte, ce que j'apprécie, moi, c'est quand même la charpente traditionnelle. Donc, ce qu'on va appeler traditionnelle, mais je trouve que c'est un peu un mot fourre-tout, parce que traditionnel de quand, de où, de quoi. Voilà. Hein, tu veux dire pas des assemblages collés, quoi. Voilà, moi, c'est de la charpente, ce qu'on va appeler du coup traditionnelle, mais ce que moi, je préfère appeler charpente bois, assemblage bois-bois. Voilà, c'est-à-dire que mon assemblage, c'est un tenon, une mortaise, une queue d'aronde. C'est pas de la quincaillerie, c'est pas de la platine, c'est pas du boulon. Même si ça a plein d'avantages et d'intérêts selon les situations. C'est, je dis pas le contraire. Donc je fais mon CAP. Et étant donné que j'ai toujours été un gros amateur d'histoire, j'ai un grand passionné pendant très longtemps de militaria, même si maintenant c'est vraiment passé. Mais militaria, Première, Seconde Guerre mondiale. J'avais eu la chance, jeune, de rencontrer plusieurs des derniers poilus de 14-8 français. Oh. J'avais 8 ans quand je les ai rencontrés, 7-8 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui me restait. Et du coup, j'étais là, j'aimais la charpente, j'aimais l'histoire, j'aimais le Moyen-Âge. Oui, toi, c'est vraiment ta période de prédilection. Hein. Voilà. Et là, boum, Guédelon. Et Guédelon, que j'avais visité, moi, petit. Assez rigolo, c'est que Guédelon, j'avais visité avec l'école quand j'étais petit. Et je me souviens très bien avoir bugué sur... du coup, c'était, je peux leur dire, c'était Jean-Michel et Thierry, les deux bûcherons de Guédelon, qui faisaient de l'écarissage. Et moi, j'étais là, je comprenais pas trop ce qu'il faisait, parce que mais pourquoi il faisait taper sur une poutre pour la rendre carrée? Une poutre, c'est déjà carré. Enfin, j'avais pas compris le côté que c'est un arbre à la base. Mais bref, je vais avoir 6 ans, hein, je pense, quand j'étais allé avec l'école. Et je repense à ça, et je me dis, mais oui, ils prennent des bénévoles, moi j'aime l'histoire, il faudrait que j'aille faire, ce serait trop cool, quoi, aller faire. Donc je vais faire ma première semaine, autant que ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent encore, si, bâtisseur à Guédelon. Donc c'est une semaine de bénévolat à Guédelon. Où en général, un bénévole, il va faire un peu tous les corps de métier dans la semaine. Il va faire un peu de taille de pierre, un peu de maçonnerie, tuilerie, charpente. Et moi, j'avais dit, moi, je veux venir, mais moi, charpentier, moi, je veux faire que de la charpente. Donc là, je suis accueilli par l'équipe charpente qui est adorable et qui me font découvrir la charpente à la main et à la hache. Et là, je fais, waouh, ouais, je découvre ça. J'aimais déjà travailler à la main, j'aimais tailler mes assemblages déjà à la main. Mais là, ça m'a ouvert un autre champ des possibles. Ça m'a découvert un nouveau monde. Et la hache, que j'utilisais moi depuis petit, je m'étais fait engueuler dessus chez les compagnons quand j'avais sorti une hache pour tailler un assemblage. Je ne savais pas m'en servir à l'époque, mais c'est, j'avais juste servi en plus pour pousser dessus. Et là, le formateur était sorti de son bureau et m'avait engueulé comme du poisson pourri. « Ouais, mais c'est quoi ce travail de sagouin ?» Voilà. Ouais, ça. Donc bon, je ne savais pas m'en servir aussi, je peux comprendre, mais bon, dans le fond, ce n'était pas non plus débile. Quoi. Quand je vois ce que fait maintenant avec une hache, je me dis « Oui, c'était clairement très pertinent en plus. » Voilà. Et donc, je vais à Guédelon, je découvre le travail à la hache,
Ils répondent à des questions justement que moi j'avais posées à tous les charpentiers que je rencontrais et j'arrivais pas à avoir la réponse sur de comment tailler certains trucs sans machine. Ouais. Et plusieurs m'avaient pas répondu ou avaient vraiment détourné la question pour pas me donner une réponse. Très peu avaient assumé me dire bah, je sais pas. Voilà. Et eux, j'arrive et ils m'ont regardé d'un air évident, bah, avec une hache. Voilà. Bon, ouais, très bien, j'étais content, j'avais ma réponse. Donc je fais cette semaine de bénévolat. Et après, du coup, j'ai fini mon CAP. Je ne suis pas parti sur mon tour de France, je n'ai pas été adopté par les compagnons, donc je suis parti, moi, de mon côté. Parce que les compagnons, bah, justement, c'est peut-être une question que tu allais poser, justement. Oui, c'est exactement ça, voilà. Merci. Ça plaît ou ça plaît pas, on aime ou on n'aime pas. Mais dans l'idée, pour moi, j'ai retrouvé chez les compagnons bah, beaucoup des défauts qui font que je n'ai pas voulu aller à l'armée. Oui, j'ai bien compris, le communautarisme. Le aussi. Communautarisme un peu trop poussé. Voilà, ce n'était pas fait pour moi. Même s'ils sont très très bons, enfin, mais pas pour bah, techniquement, ils apportent des choses très bien, c'est un très bon centre de formation. Après, on aime ou on n'aime pas, et on adhère ou on n'adhère pas avec certains processus fonctionnels éducatifs ou autres. Toi, tu as une idée, tu as une valeur que j'aime beaucoup, c'est cette idée de la liberté. Oui. Et ouais, toi, c'est ça, et ça, ça m'éclate bien. Donc, ouais. On pourra en revenir dessus, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc là-dessus, ça ne te convient pas, donc tu quittes les compagnons. Je quitte, voilà, je fais cette semaine de bénévolat à Guédelon. Sachant que chez les compagnons, moi j'ai une chance. D'avoir une boîte où j'ai fait mon CAP, que je peux citer, c'est Stéphane Maton, Maton Charpente, du coup, à Danemoine, à côté de Tonnerre, qui est une boîte, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte de la valeur qu'elle avait, et je m'en suis rendu compte avec le temps, de la chance que j'ai eu de faire le CAP dans cette boîte-là, qui, en fait, m'a ouvert un panel de compétences en charpente, des vraies notions de cadence, d'efficacité, même si c'était très dur par moment. On fait des semaines de 44 heures. Donc moi, tu es là, 17-18 ans, tu sors du lycée, oui. Boum, semaine de 44 heures, 7h30 à l'atelier, et tu n'as pas intérêt à avoir du retard, et on quitte le chantier à 17h30. Voilà, ça calme un peu, mais c'est ultra formateur et un travail de très bonne qualité qu'on fait, avec le côté de « on fera le mieux pour le client avec la technique la plus pertinente ». Pas, il n'y avait pas spécialement, même si la dernière fois que j'ai pu voir mon patron, ça avait évolué. Une cohérence éthique comme j'ai pu avoir avec mes autres patrons et comme moi j'aurais maintenant sur une recherche de cohérence écologique dans mon mode de travail, on va dire. Mais voilà, donc j'ai pu faire du lamellé-collé, du renfort en soude avec des IPN sur du lamellé-collé industriel qui avait cassé, de la charpente en bastin boulonné, de la charpente traditionnelle, du sous-œuvre, du neuf, levage grue, pas grue, à la main, pièce par pièce. Enfin, vraiment un panache énorme en un an, c'était vraiment assez exceptionnel, de l'escalier enfin. C'est génial. Ouais. Un truc de fou. Et là-dessus, une boîte avec toujours une recherche de qualité d'entraînement. Vraiment, enfin, très chanceux là-dessus. Donc, je finis ce CAP, je passe à Guédelon une semaine en tant que bénévole. Donc, un bénévole parmi des centaines de bénévoles qu'ils ont dans l'année, hein, bien entendu. Et après ça, je me retrouve chômage, à vouloir bosser plus ou moins en région parisienne, donc vers chez mes parents. Si je devais bosser chez le charpentier du village, qui en fin de compte ne m'a pas pris parce qu'il n'a pas pu. Du coup, je me retrouve à embaucher dans une boîte qui faisait charpente de couverture. Les deux mois, les deux pires mois de taf de ma vie, vraiment, bosser sur Paris. On devait partir à 5h du matin si on ne veut pas avoir les bouchons. Mais du coup, en partant à 5h, on arrivait à Paris avant 7h, mais tu n'as pas le droit de faire du bruit avant 7h30. Ah, c'est 7h30. 8h. 8h. Mmh. Donc nous, on était là, on allait au café où on attendait sur le chantier ou on montait les trucs qu'on avait à attendre. Une qualité de travail que moi je trouvais dégueulasse et médiocre. Aucune organisation de chantier. Je me suis retrouvé à bosser la majorité avec le couvreur. Du coup, il y avait plusieurs charpentiers, un seul couvreur. Parce que le couvreur appréciait bosser avec moi parce que j'étais efficace et je percutais. Et que même si je ne savais pas faire de couverture, on faisait surtout de la zingrie. Oui. Alors ça, en plus, c'est une chance de fou parce que la zingrie, c'est quand même plus à Paris. Bon, c'est quand même sympa la zingrie à Paris. Quoi, mais voilà, je ne faisais pas de soudure. Mais voilà, il savait qu'il pouvait me dire bah, prends la cote, je pouvais prendre des cotes, je pouvais faire des pliages. Alors que j'étais pas formé et que ça allait, et puis juste à venir souder derrière, il pouvait faire ce qui était plus précis. Quoi. Donc, deux mois dans cette boîte-là, où j'ai vu exactement ce que je ne voulais pas faire, bosser à Paris, bosser sur des HLM, sur des... Enfin, non. Donc là, je me dis, bon, non, je vais chercher une boîte pour faire de la charpente, moi, comme j'apprécie, donc ce traditionnel, comme on dit. Donc là, j'ai commencé à balancer des CV et lettres de motivation toutes les boîtes en France que je pouvais trouver sur Internet qui m'intéressaient, en disant que je veux bien être soit en tant que salarié ou pour passer un BP, donc un brevet professionnel en charpente. Donc des boîtes de monuments historiques, restauration, boîtes diverses et variées. Et il y a une boîte qui m'a répondu, entreprise, c'est Carpentier Bois, Carpentier Charpente Bois, l'éthique du bois. C'est une boîte dans la Somme,
Pierrepont-sur-Avre, qui me dit oui, bah moi je suis pas contre, voilà, bah viens, on se rencontre, on parle. Très voilà. Bien. Donc c'est quelqu'un sur son site, il avait vu qu'il faisait un peu des carissages et de travail à la hache, il fait du bois tordu, tout ça. Et là, et donc je vais le rencontrer, il me dit oui, bah, super, on part. Il me dit bon, bah, très bien, il me dit bah, y a un autre gars qui doit passer pour voir. Je vois, puis bah, je recontacte pour voir lequel je prends des deux. Puis c'est moi qui l'ai pris du coup. Et là, ça a été 3 ans, donc j'ai fait 2 ans pour mon BP là-bas. Mmh. Et après, je suis resté 1 an avec lui. Exceptionnel. C'est vraiment une boîte donc, qui a évolué. Depuis que j'étais, il avait plus de salariés. Puis après, il a gardé que moi un moment pour alléger parce qu'il voulait, lui revenir sur le chantier, arrêter de faire du bureau, réduire en échelle, revenir à quelque chose de plus humain et tout ça, et lui retravailler le bois. Et c'est quelqu'un qui est bah, ancien ingénieur en reconversion, ingénieur de l'industrie, qui s'est reconverti en charpente. Comme sa famille qui, depuis X générations, était dans le bois, charpentier, charron, menuisier, et qui adore une vraie cohérence, qui a une vraie cohérence de travail, qui, lui, m'a ouvert l'esprit sur plein de choses, m'a appris beaucoup de choses d'un point de vue technique. Grâce à lui aussi, parce que c'est pas rien dans mon parcours, j'ai pu découvrir l'association Charpentier sans frontières. C'est lui allé, donc je suis allé avec lui sur les chantiers, qui après, bah, du coup, je me suis impliqué sur les chantiers, qui lui était un membre assez actif, on était assez actifs tous les deux sur frontières. Vu qu'en plus, on bossait ensemble, on a pu organiser, on a organisé des chantiers participatifs ensemble en Picardie. Ce que tu fais toujours, d'ailleurs. En partie, ouais. Mm. Et donc, enfin, 3 ans exceptionnels là-dessus, où j'ai fait mon BP, j'ai travaillé, j'ai poussé tout ce qui était ce qu'on appelle le piquage, donc une technique de charpente un peu plus traditionnelle, du bois tordu, on a fait de l'abattage, des bordages, un peu de bois carré, très peu, il n'a pas eu de chantier de travail à la hache quand j'y étais. Mais c'est quelqu'un qui, comme il m'avait dit quand je l'ai rencontré, moi, si pour faire quelque chose, on va dire, ça me prend 100% du temps de le faire à la machine, on va dire, et que pour le faire à la main, ça me prend 110-120%, bah, je le ferai à la main, okay. Par pur plaisir en fait. Et qui avait cette démarche-là, tous nos levages, on n'a quasiment jamais levé au Manitou, on levait la grosse majorité à la corde, avec des chèvres, donc corde, poulie, mouflage, enfin, une super expérience. Tu as eu du bol et en même temps, dans ce choix-là qui te mène aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Ouais. À côté de ça, moi, dès que j'avais des. Donc, quand je travaillais là-bas, tous mes week-ends, j'étais en forêt parce que du coup, il avait un marais, j'avais accès au marais. J'allais, j'abattais, j'écarissais, je faisais des coffres, des choses et je continuais à jouer. Ou j'avais accès à télé le week-end. Ouais. Je me suis mis à la reconstitution historique. Un, parce que, bah, comme j'ai dit, j'aimais l'histoire. Mais aussi comme une excuse pour pouvoir faire des trucs en bois à taille à la hache. J'ai fait des brouettes, j'ai fait des trébuchets, j'ai fait juste du carissage, des essais, des bricoles divers et variés. À côté de ça, donc les week-ends, dès que je prenais des jours, des vacances, c'était soit pour aller sur le chantier Charpentier sans frontières, soit pour aller en bénévole à Guédelon. Mm. Donc j'ai retourné plusieurs fois à Guédelon en bénévole. Donc je travaille avec lui pendant 3 ans. Il se trouve que le premier chantier Charpentier sans frontières où je vais, qui était en 2016, parce que je vais les citer parce que c'est deux personnes qui après reviennent dans ma carrière. Je rencontre bon, les gens de Charpentier sans frontières, donc le coordinateur François Calam, différents charpentiers, Léonard Rousseau, enfin plusieurs charpentiers que je côtoie, et deux personnes, un certain Paul Lebé et Fanche Ganuel. Je parle avec eux, Paul Lebé, je travaille avec lui, Fanche, il se trouve qu'il a pas pu rester sur tout le chantier, mais il se trouve que c'était celui qui était en concurrence avec moi pour bosser chez Florian, qui lui avait trouvé notre boîte, une grosse boîte de charpente en Normandie. Enfin bref, ça c'est sa vie, pas la mienne. Donc voilà, j'ai rencontré, moi je continue mon parcours donc, dans cette boîte-là en Picardie. Et après 3 ans avec travailler dans cette boîte-là donc, avec Florian Carpentier dans la Somme, je lui dis que bah, moi j'ai envie de partir sur autre chose, et ça il en était tout à fait conscient que j'allais pas rester toute ma vie là. Et que du coup, bah, ouais, je vais comme je dis, je n'ai pas démissionné, je l'ai abandonné. Je l'abandonne dans la Somme. Et pour partir, moi, de mon côté, faire d'autres choses. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Guédelon cherchait un charpentier. Et donc, le maître d'œuvre de Guédelon m'appelle, parce que du coup, j'étais repassé, j'avais sympathisé avec eux, en me disant « Ouais, bah là, on cherche un charpentier, est-ce que ça te dit ?» Bon, je fais « Bah oui, carrément. » Donc là, je me fais embaucher à Guédelon. Donc ça, c'est 2019, en charpente. Et après, parce qu'à la base j'avais l'idée de quitter la boîte donc, en Picardie pour me mettre à mon compte pour pouvoir faire les chantiers un peu partout. Je me fais embaucher à Guédelon. Après un mois à Guédelon, ils me disent que bon, bah, j'aimerais que je devienne chef d'atelier charpente pour remplacer l'ancien chef d'atelier, donc, Nicolas Touchefeux, qui pareil est un de mes grands mentors pour moi en charpente. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup et avec qui j'ai beaucoup échangé, comme toute l'équipe de Guédelon en charpente d'ailleurs, hein, qui lui passe du coup en charronnerie,
Et il arrête la charpente pour faire de la charpenterie. Donc je reprends en gros les rênes de l'atelier. Puis là, ça arrive la saison 2020, donc Covid et tout ça. Ouais. Donc moi, un peu perturbé. Je fais la saison à Guédelon. Où là, bah, du coup, pareil, moi, je continue à fond dans tout ce que j'ai pu faire du coup, depuis plusieurs années d'expérimentation, de folie, de tailler des trucs à la hache, essayer des trucs, et bah, je continue là-dedans. Et après, cette année à Guédelon, pour diverses raisons, je ne suis pas resté à Guédelon. Parce que bah, moi, c'est pareil, ça ne me convenait pas. Enfin, ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas sur certains points. Et du coup, bah, il n'y avait pas d'intérêt. Pour moi, je ne m'épanouissais pas assez pour avoir envie de rester. Puis eux, ils n'avaient pas envie non plus de. C'est-à-dire que tu vas travailler sur quelque chose de plus en plus spécialisé, toi. Et voilà. Que dans ta recherche, ce que je vois là actuellement et ce qui va continuer les années prochaines. Tu te niches en fait, mais c'est une niche qui ouvre beaucoup sur l'Europe actuellement, parce que tu deviens quand même une référence. Faut pas nier les choses, hein, par rapport à ce que tu fais. Ouais, enfin pour plusieurs raisons. Du coup, ouais, je reste pas évident, et du coup, bah, je me mets à mon compte. Et en me mettant à mon compte, je me retrouve à bosser avec ce fameux Paul Lebé que j'ai rencontré. Alors, tu peux nous le présenter deux Paul Lebé, bah, c'est un collègue charpentier, du coup. Lui pareil, il est venu en charpente un peu plus tard que moi, pas directement après son bac, il avait fait un peu d'animation avant, animation avec enfant, pas de dessin. Et puis, à un moment, il s'est reconverti en charpente, puis pas pareil, tout son parcours, il a voyagé un peu, travaillé, puis il s'est installé du coup à Saint-James, donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, où il a monté un réseau pour essayer de travailler, puis bah, moi je me mettais à mon compte, il avait besoin d'aide, bon bah on a fait plusieurs chantiers ensemble. Très bien, et au fil de la hache. Ça, on peut y venir après, c'est encore autre chose. Tout s'est bien passé. Ouais. Parce que ça, c'est un peu plus tard. Donc, on s'entendait bien. Je bosse avec lui sur mes premiers chantiers là-bas. Puis, je me trouve d'autres chantiers. Je vais travailler en République tchèque. Où là, j'ai la chance d'être contacté par un charpentier tchèque que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux. Qui, lui, bosse depuis une bonne quinzaine d'années à la hache, à faire des carissages, produire ses poutres. Beaucoup d'heures que j'ai expérimentales, bien poussées. Et puis, un coup, m'envoie un message, mais vraiment. Je m'étais mis à mon compte, ça fait deux mois que j'étais à mon compte. Il m'envoie un message sur Facebook comme ça en mode ouais, bah là on a un chantier, il y a 400 mètres carrés de surface à équarrir, c'est des 30-30, voilà, finition à la hache médiévale, si tu veux, t'es le bienvenu. C'est pour un château ? Pour un château, le château de Karstein, qui est le plus gros et le plus grand château de République tchèque. Une pépite, moi quand je suis allé voir, caché dans une vallée, t'arrives, un truc, château en plus, tour carrée, il y a une tour carrée dessus, les murs font 7 mètres de large. Parce que dedans, il y a une des voûtes du 14e siècle d'origine, plaquées or et rubis. Voilà, c'est un truc que t'arrives, c'est exceptionnel. Enfin, c'est un château de fou. Et nous, on refait un plancher pour une annexe. Et du coup, bah, ils m'appellent. Donc moi, je fais, bah ouais, carrément. Donc, je me mets en mon compte, je vais en République tchèque. J'ai carré avec eux qui, donc l'écarissage et ce travail. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'écarissage, mais l'écarissage, ça va être produire une poutre à la hache. Qui est quelque chose dans lequel moi je me suis un peu spécialisé, que j'ai découvert à Guédelon, que j'ai refait tout seul dans mon coin, Charpentier sans frontières. Et c'est quelque chose que moi je veux travailler avec ça. Parce que je trouve ça pertinent sur plein de points, et aussi pour une grande notion de plaisir au travail, c'est ça qui m'amuse et qui me plaît. Et moi, dans mon travail, je veux me faire plaisir et je veux m'amuser. Et donc ça passe par ça. Et là, en République tchèque, je fais ça, il monte à un niveau d'exigence, mais où j'ai galéré, j'ai passé un mois là-bas. Moi qui, à la base, je me sentais très confiant sur mon niveau par rapport à ce que je pouvais voir autour en France, j'arrivais là-bas, je me suis pris une grosse tarte dans ma gueule, et voilà, allez hop, boum. Et là, une exigence, une tolérance, on faisait des pièces 8 mètres de long, 35 par 40 à peu près. L'aplomb de la pièce à la hache qu'on sortait, il n'y avait pas plus, franchement, 5 mm, plus de 5 mm a été morte de faux aplomb, et on était à une moyenne, je pense, de 2-3 mm. C'est-à-dire, à la fin, à l'œil, quand on venait regarder la pièce, je venais gratter des bosses de 1 mm dessus, quoi. Okay. Vraiment, c'est vraiment, enfin voilà, je mettais en fait, 4 à 5 fois plus lent que ce que je fais habituellement par rapport à l'exigence qu'ils voulaient, enfin vraiment, parce que c'était ce qu'ils voulaient pour le château, pour pas être emmerdé par les archis, enfin. Donc, super expérience, super échange. Et t'apprends tellement. Voilà, avec du coup, alors, l'une des raisons pour lesquelles ils m'avaient contacté, c'est parce que finissant avec des haches médiévales, et moi, bah, vu que je faisais la reconstruction, je m'étais pensé sur les haches médiévales, j'en avais fait reforger une, enfin, un hybride. Hache médiévale, parce que c'est une hache médiévale que j'ai modernisée pour s'adapter à mon mode de travail. Ouais. Mais aussi, je travaille sinon sur ma hache de finition, une hache de finition typiquement picarde, ou parabulogage qu'on appelle un peu picarde, qui est une hache de finition qui en fait est très 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 proche d'une hache médiévale. Et il se trouve que oui, on a par rapport à des revues de fouilles,
elle a les mêmes proportions, le même poids, le même gabarit. Il y a juste un peu une petite variation dans l'inclinaison d'un truc. Mais c'est vraiment juste, en gros, moi, ils l'ont tiré par la forge, alors qu'en médiéval, ils l'avaient tiré pour être plus droite devant. Quoi. Okay. C'est vraiment un détail. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il m'avait appelé, parce qu'il savait que je travaillais avec ça, puis on avait déjà échangé là-dessus. Il dit que c'était l'occasion. Quoi. Donc, je fais ça, je suis à mon compte, je fais différents chantiers à droite, à gauche. Donc, toujours avec du bois équarri à la hache, en travaillant en très grande majorité sans outils électriques ou thermiques. Je vais être à, ouais, je dirais, 60... pour faire une moyenne gentille, je dirais 75% totalement à la main, 25%. Okay. Mais plus ça va, plus c'est de plus en plus à la main. Et il y a des chantiers qui vont être totalement à la main, de l'abattage à la hache, débit de longueur à la hache. J'ai fait des chantiers complets avec une hache, un ciseau à bois, une tarière, pas plus. Et bon, après, cordeau, crayon et tout ça, quoi, mais... pour la taille, comme j'ai fait des chantiers où en effet là c'était un hangar agricole, puis il se trouve qu'on a eu une météo de pourri sur le chantier, on s'est pris trois tempêtes, on avait même une mortaiseuse, tronçonneuse, enfin là c'était trois tempêtes, on avait ça tombait logé dans cette flotte et le pont a piqué, il y avait tellement de vent que notre pont était chassé, du coup on le mettait dans un bol d'eau et il y avait des vagues dans le bol d'eau qui bougeaient le pont, du coup on mettait un paravent devant, donc voilà, on pouvait pas tracer au crayon sur les bouts de bois tellement qu'il était mouillé, donc on devait y aller avec une pointe rasée, enfin bref. Chantier un peu de l'extrême, mais on s'est bien marré, sur lequel il y avait ce fameux Paul Lebet, Léonard Rousseau était plutôt qui était là, et ce fameux Franche Guénuel aussi, qui était pareil, du coup, qui était là. Donc, l'équipe de copains, du coup, qui s'est montée petit à petit. Donc voilà, je suis à mon compte, je continue, et je fais des chantiers à droite et gauche, du République tchèque, en Écosse, en Alsace, de Dordogne, France, Bretagne, enfin différents endroits. Et c'est le moment en Écosse, il me semble, où je t'avais eu par téléphone ou par mail, où tu vas rechercher... Oui, parce qu'on va y revenir. Dans l'une des critères, en effet, on reviendra dessus, sur ce côté notion par rapport à l'archéologie expérimentale, mais en effet, du coup, l'Écosse a joué là-dessus. Et du coup, voilà, quoi, pour moi, pour revenir à moi aujourd'hui, du coup, je suis à mon compte. Et bah, ce Paul Lebet dans la Saint-James a réussi à faire un agent commercial exceptionnel de la Manche et tourisme de la Manche. J'ai acheté dans la Manche à 10 bornes de chez lui. Fanche a acheté pareil à 10 bornes de chez lui au sud. Et on est tous les trois maintenant à bosser ensemble dans ce coin-là en partie, même si on continue à partir aussi sur nos chantiers tout seul dans nos coins. Mais du coup, on est tous les trois dans la baie du Mont-Saint-Michel en gros à faire des chantiers. Et donc là, on est sur un chantier actuellement... où on a eu 200 et quelques solives avec carrière à la hache, plus les porteuses. Puis là, on va attaquer les 10 lucarnes qui viennent pour dessus. Pour quel type de bâtiment, d'ailleurs? Alors celui-là, c'est la première fois qu'on a ça. On est pour le prieuré du Mont-Saint-Michel. Okay. Donc là, c'est un bâtiment classé, monument historique. Mais sinon, jusque-là, c'était beaucoup du particulier. Okay. Qu'on sait, quoi. Voilà. Donc voilà, mais c'est assez récent, parce que moi, je me suis installé du coup en septembre. Enfin, ça fait tous les trois. Tu viens d'avoir l'électricité, c'est voilà. Beau. Et je viens d'avoir l'électricité, c'est moi. Voilà. Donc, ouais, donc là, pour l'instant, t'en es là. Je pense que les choses, pour toi, vont elles évolueront, ça, on verra. Oui, on verra. Et donc, archéo-expérimental, parce que là, on... Ouais, voilà, pour nous, l'archéo-expérimental. Donc moi, bah, l'archéo-expérimental, j'ai découvert ça à Guédelon. Voilà. Où j'ai fait, mais c'est trop bien. J'ai fait ça, du coup, c'est pour ça que je me suis mis à la reconstitution pour expérimenter. Et plus ça va, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être le geste et la technique, l'artisanat. Et en fait... quelle que soit l'époque dont il est, c'est comprendre la fabrication, parce que ce qui me passionne aussi sur le côté d'archéologie mentale, c'est que, comme je disais, je veux travailler à la main. Je ne veux pas réinventer l'eau chaude. Ça a déjà été fait pendant certaines années. Ce qu'il faut, c'est aller piocher ce qui est bien, ce qui est pertinent, comprendre pourquoi, pour le réadapter. Je veux dire, l'humain, pour moi, a toujours été flemmard, il a toujours voulu simplifier la vie. Donc quand on est là et que des gens prennent une scie et que ça ne marche pas, ils disent « Oh là là, il devait vraiment en chier les anciens !» Non, mais en fait, non, la scie a été juste pas affûtée, en fait. Et une scie, ça s'affûte. Et une scie affûtée, c'est monstrueusement efficace. Et justement, les Romains, on a des traces de textes qui parlent d'affûtage de scie. Ah, ils ont les mêmes données que nous, d'avoyage. On a les mêmes données. Et là, tu fais, ah, même si après Moyen-Âge, c'est une période vachement plus civilisée que les Romains, parce qu'ils n'utilisaient plus de scie, donc c'est beaucoup mieux. Oui, j'ai un problème avec les scies. mais voilà. Ok. Donc, tu focus médiéval. Ouais, bah moi, c'est ce que j'aime, c'est ce travail à l'âge. Mais dans le fond, ce que j'aime, c'est le travail à la main. Donc, les Romains m'ont intéressé. Là, actuellement, du coup, bah, même si je n'aime pas la scie, je me rends compte que si je veux travailler à la main, je ne peux pas passer outre cet outil de ma caisse à outils. Je n'aime pas cet outil, je n'aime pas m'en servir, je trouve ça ennuyeux à l'utilisation. Mais si je veux être efficace et que je ne veux pas utiliser une circulaire ou une tronçonneuse, j'ai besoin d'une scie. Donc, je me penche sur la futale aussi, les compétences aussi. Et là, du coup, bah, la période plutôt industrielle 18-19e, là, il y a beaucoup plus de scie, beaucoup plus développée.
Et là, ouais, sur la période 19e, on a un poussage de scie et de production de scie, donc je me penche dessus. Et là, c'est cette période-là qui maintenant je vais regarder. Toutes les compétences en sciage de long, les différents types de dentures de scie de long, enfin des relevés, enfin bref. L'arqueologie plantale beaucoup plus moderne en quelque sorte, mais là c'est pour l'adapter à un mode de travail moderne et efficace. Mais du coup, oui, je découvre ça à Guédelon. Donc plutôt intéressé moi par la période médiévale, 13-14e. Et quand tu me contactes justement pour ça, justement, moi c'est l'une des multiples raisons. Moi, quand je fais l'arqueologie plantale, je veux. Bah, je me rends compte que, bah, en effet, vu que c'est l'outil qui m'intéresse et le geste, un outil d'une époque à l'autre, c'est pas le même. Une hache, c'est pas juste une hache. Une hache, c'est dans une époque, elle change, elle a différents poids, différentes géométries, du coup, différents styles de travail. Et donc, j'ai dit, moi, je veux bien, mais moi, je veux une casse à outils romaine. Donc, je me suis penché sur la casse à outils romaine, sur les outils, et je suis, du coup, justement, en Écosse, quand je commençais à regarder ça. Il se trouve que sur le chemin du retour, au musée de, c'était Dumfries Galloway, ils ont ce qu'on appelle, ils ont deux haches romaines. Une hache assez classique, hein, romaine, dans un état où le relevé, c'est un peu un gros bout de métal oxydé où tu peux rien relever dessus. Et une, ce qu'ils appellent les dolabra, donc qui sont les haches typiquement des légionnaires romains, avec une hache d'un côté, enfin, une hache d'un côté, et de l'autre côté, une hache, un tranchant à pic. Un peu hache de pompier. Dans en quelque sorte, il y a des haches de pompier. Et, y en a, et là, quand j'ai trouvé ce mot dolabra, j'ai pu faire des recherches dessus, et en fait, on a un panel de formes, en fait, c'est un principe d'outil. Plus qu'une forme standardisée. Ouais, il y en a, j'ai pu en relever d'autres après, dans d'autres musées en Alsace ou autre, qui faisaient celle à Dumfries Galloway faisait plus de 2 kg, ce qui est exceptionnel, surtout par rapport à la période médiévale où des outils de 2 kg sont beaucoup plus rares. Mais là, c'est 2 kg, j'ai pu en retrouver d'autres à quasiment 900 grammes. Il y en a où la hache, elle est à sa tranchante, d'autres la hache à sa tranchante, l'autre côté c'est un pic, quelquefois c'est une herminette, quelquefois elle est centrée, quelquefois elle est rentrée, quelquefois c'est même deux herminettes, enfin, un herminette à pic. Il y a plein de modèles. Et donc, une fois que j'ai compris ce modèle-là, j'ai vu les caractéristiques. Moi, je sais comment je travaille, comment je veux être efficace, ce qui m'est confortable. Donc, j'ai pu prendre les modèles que j'ai pu trouver qui, moi, étaient le plus pertinent par rapport à mon processus de travail parce que, bah, pour la balise, je n'ai pas le temps. Si je voulais pousser l'expérimentation comme j'aurais adoré, mais on ne peut pas, il aurait fallu que j'ai un mois de travail, un an de travail avec des outils romains et différents types pour aller jusqu'à la moindre finesse et les moindres petites subtilités. Du coup, j'ai fait pour voir, pour faire la dolabra. Forger la dolabra avec la forme qui, pour moi, je saurais que j'aurais une appréciation très rapide de cet outil-là. Voilà, pareil sur les rabots, donc j'ai pu relever des outils, relever d'autres outils à droite à gauche dans différents musées, afin bah, de pouvoir me former ma caisse à outils, la parfaite petite caisse à outils du charpentier romain. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu maîtrises la forge aussi, tu sais faire. Disons que j'ai des amis que je peux exploiter pour forger d'accord, les outils. Ça marche. Vu que j'ai cette recherche de travailler à la main, moi, dans l'idée, je vais pas, quand j'ai besoin d'outils, je vais pas aller acheter une circulaire, une visseuse. Bah non, je vais faire forger un ciseau, forger une hache, forger une tarière. Et donc, bah, j'ai mon réseau de forgerons et taillandiers, un peu partout en France, avec qui je travaille, avec qui je peux poser des questions, qui peuvent m'aider. Quelquefois, je viens les aider sur quelque chose et on forge un truc ensemble, ou quelquefois, moi, je passe commande et ils me font exactement ce que je veux. Et donc, ça m'a permis de monter cette caisse à outils. Romaine pour pouvoir travailler au plus proche et comprendre des nuances de ça sur le travail. Qu'est-ce que tu en penses avec du recul justement par rapport à cette queue d'aronde que tu as faite ou les bras que tu as fait justement quand tu as choisi l'essence du bois, parce que c'est toujours ça aussi, les Romains choisissent, n'importe quel peuple ou technique choisit pas par hasard en fait son bois. Et toi, donc avec le recul, le travail justement avec ces haches romaines, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton expérience médiévale et par rapport à ton expérience globale en fait? Pour moi, dans l'idée, la caisse à outils romaine, c'est une caisse à outils de luxe, un outil de travail du bois romaine. C'est une caisse à outils, je pourrais quasiment dire 19e. Quoi, dans l'idée, alors, je n'ai pas pu faire de relevé de scie romaine. Ça va être notre prochain projet. Mais même, ou de lame de scie à main. Okay. Je sais qu'il y en a une au musée d'Alésia, j'ai potentiellement un contact pour aller voir ça, ou avoir des infos dessus, mais bref. Je pense que tout niveau hache, ciseaux, en gros, c'est clairement l'outil 19e, il n'y a pas de problème, ils ont tout ce qu'ils veulent en taille, poids, enfin voilà, dans des styles et formes différentes, mais ils ont ce qu'ils veulent. La scie, ils n'ont peut-être pas encore la qualité industrielle de laminoir et de qualité de trempe et d'homogénéité d'acier qu'on va avoir avec des scies industrielles. Oui, mais ils sont très, très bons, on a travaillé. Je ne doute pas de la qualité de leur scie. Clairement. Mais voilà, c'est que, est-ce qu'ils ont des lames de scie qui font 0,7 mm d'épaisseur comme on a
sur une lame des scies fin 19e, début 20e, qui sont des scies excessivement efficaces, je ne sais pas à quel point ils ont ça. Quoi. Voilà, ça c'est encore... Ben, on va travailler dessus. Mais voilà, ils ont une caisse à outils qui est très très pertinente, très très efficace. Et d'avoir travaillé avec, pour moi, enfin, il n'y a aucun souci. Je veux dire, on me donnerait une caisse à outils romaine, je peux travailler avec sans aucun souci, sans adapter mon mode de travail du tout. Après, il faut aussi penser que moi, mon mode de travail, il vient de ma recherche à base très médiévale, mon passage par Guédelon, et beaucoup de mes choix techniques sont très médiévaux dans la conception et autres, par un, parce que c'est ce que j'aime, et parce que ça se prête à mes outils. Oui. Voilà. Donc, en effet, passer sur une caisse outil plus moderne, bah, mes assemblages, ils sont très bien avec, parce que sinon, déjà réfléchi pour être taillé à la hache, à la main. Après, sur cette queue d'aron, par exemple, il y a des histoires d'inclinaison, d'angle ou autre, où moi, en effet, bah, sur le tracé, je n'avais pas percuté, et quand j'ai taillé, c'était évident que non, il y a trop d'angle, il aurait fallu en mettre moins, des choses comme ça. Oui, parce qu'on s'est basé sur du standard, en fait. Voilà, du standard, ou le côté moderne, et les habitudes, et les choses comme ça, et machine. Et quelquefois, il y a des choses qui disent, bah, non, c'est vrai qu'en fait, en changeant l'angle à la main, c'est plus simple à tailler, il y a moins de risques, le bois sera un peu plus solide par là. Mais c'est le but de l'archéologie expérimentale, c'est d'essayer de se rendre compte. Ah, bon, bah là, on sait qu'il y a un point où, à refaire. Il faudrait essayer peut-être différemment. Mais peut-être qu'en essayant différemment, ça ne sera pas mieux et que du coup, en fait, voilà. C'est le but du. C'est le but expérimental. C'est le but de l'expérimental. Dans l'idée, la baliste, on l'a fait, on tire avec, avec as, on aura essayé quelque chose. Bon, bah, on sait qu'il y a un truc qui ne correspond pas. C'est ça, on refait. Voilà. C'est du bois. Il faut essayer. Mais c'est ce côté pratique que j'aime beaucoup chez toi, c'est-à-dire que tu es curieux. Voilà, bah, et puis il y a des choses, à un moment, faut mettre en pratique et essayer. Parce que sinon, ouais, tu me disais que tu avais beaucoup appris sur le monde romain, clairement, parce qu'au début, quand je t'ai lancé là-dessus, bah, moi, tu m'as fait des yeux, je te voyais faire des yeux au téléphone. C'est ça. romain, mais moi, j'ai rien, quoi. Et en fait, c'est tellement dingue. C'est dingue, et on a beaucoup d'outils, de sources. Moi, j'étais impressionné de la quantité d'objets qu'on a retrouvés en fouilles romains. Et autant j'ai beaucoup de mal à trouver des données, par exemple sur des haches médiévales, enfin j'en ai, mais c'est beaucoup plus compliqué que les outils romains. Les romains, on en a, mais vraiment à la pelle. Alors je ne sais pas si c'est dû à la quantité de production d'outils qu'ils avaient, la page, et j'ai des archéologues qui m'ont émis l'idée de la qualité de l'acier qui, du coup, et du métal qui augmente sa conservation et qui simplifie sa conservation. Ouais. C'est ce que disait Florian Barou, effectivement, ils ont une technicité. C'est ça, et qui fait que, une homogénéité qui fait qu'il y a peut-être moins de poches d'oxydation qui peuvent se créer, parce que les qualités de soudure super, ou enfin. Je ne suis pas forgeron, il y a sûrement plein de détails là-dessus. Mais voilà, ce qui fait qu'on en a plein. Et ouais, non, j'étais vraiment impressionné là-dessus de la qualité et de la quantité d'outils romains. Ce n'est pas pour autant que j'irai bosser avec une hache romaine, parce que ma hache médiévale, pour moi, elle est clairement supérieure. Voilà. Et justement, on arrive alors sur la fin, qui est cette question qu'on évoquait au début, avant le début de l'interview, sur le rapport homme-machine, mais pas homme, tu sais, c'est-à-dire le geste manuel. Et la machine est aujourd'hui notre statut donc de l'écologie, c'est-à-dire de comment on se positionne aujourd'hui. Ouais, tu nous comprends bien. Voilà. On a combien de temps devant nous là? on a combien de temps, Guillaume? Ça fait 50 minutes. Nous avons 10 minutes. Nous avons 10 minutes. Ouf. Nous avons 10 minutes. Bon, alors, un résumé. Oui, alors moi, ce que je me suis rendu compte, on va dire dans l'idée, ma partie de travail qui se trouve du coup est excessivement écologique, c'est un dommage collatéral du fait que moi je veux bosser comme ça parce que ça m'amuse et que je trouve ça rigolo. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Hein. Je veux dire, voilà. Ça m'amuse, je trouve ça rigolo, hop, bah, ça marche. Mais avant tout, moi j'ai une recherche d'efficacité, de rentabilité dans mon processus de travail. Ah bah oui. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux optimiser mes affûtages, mes réglages, mes outils, que je les fais forger pour les avoir pour avoir cette rentabilité. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que quand on arrive à une vraie efficacité, une compréhension de l'outil complète, on n'est pas toujours vraiment beaucoup plus lent que la machine, en fait. Oui, c'est ce qui ressort. Voilà, c'est que, ou alors à une différence de temps qui fait que, selon, les situations, est-ce que la machine devient réellement pertinente? Sachant que la machine, oui, quand on l'a, c'est vrai que c'est plus rapide. Bah oui, tu débites beaucoup mais pour la grosse la machine, il y a le coût d'investissement de la machine, il y a le coût d'énergie de la machine, il y a le coût de fabrication de la machine. Et derrière, il y a aussi le plaisir au travail, et les compétences humaines, techniques, le savoir-faire, en fait, d'un travailleur, cette fameuse glissière à queue d'aron de Abbé, qui est une pièce qui est quand même relativement complexe, avec pas mal, enfin, qui a une forme particulière avec un vrai travail dessus. C'est vrai que typiquement, la machine, c'est évidemment, on passe, et voilà. Mais qu'en fait, moi, je l'ai réalisé, j'avais une hache, un ciseau à bois, un rabot, et une scie pour la coupe de longueur. Quoi. Et c'est tout. Et j'ai utilisé une Dolabra, qui n'est pas la hache dont j'ai le plus l'habitude. Un rabot, ciseaux, c'est bon, ça, c'est pas de souci. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais voilà, et donc c'est
d'où est quelquefois la pertinence d'avoir ces machines? C'est une question qui se pose, et d'autant plus que maintenant, de plus en plus, à la base, moi, c'était une question vraiment juste de plaisir. Puis après, s'est rendu compte, bah oui, mais en plus, c'est efficace. Je veux dire, je vends des chantiers au même prix ou avec une différence de prix qui est infime par rapport à une boîte qui va acheter son bois à une scierie ou à un fournisseur de bois et tout tailler avec une machine. Moi, à côté de ça, je pars d'un arbre, je fais une charpente complète assemblée. La différence de prix, elle est minime. Moi, là aussi, à côté où tout l'investissement, j'ai très peu d'investissement, donc tout le prix du client, ce qu'il paye, il ne paye pas de matériaux, il ne paye pas d'industrie, il paye quoi? Uniquement une personne et un savoir-faire. Après, par contre, ce qu'il faut accepter, c'est que pour cette efficacité-là, ouais, il y a un temps d'apprentissage. Et alors peut-être, on va le dire, une perte de confort par rapport au monde dans lequel on est. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est-à-dire que par rapport à ce que nous disait menuisier, effectivement, entreprise, tu es en extérieur. Moi, je suis en extérieur. Mais je trouve que c'est moi, je suis en extérieur parce que je fais de la charpente et que du coup, de la charpente, ça me fait un atelier gigantesque et que moi, j'aime être dehors. Clairement, si je pouvais avoir un hangar, comme j'ai pu voir, des vieux hangars de charpente, 17 mètres de porte, 17 mètres de large, 70 mètres de long, avec l'air des pures embarquées, je prends quoi. Okay. Je prends, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, bah, je ne l'ai pas, ce hangar, j'ai pas le temps et que du coup, je suis mobile, donc non plus actuellement, je ne peux pas avoir d'atelier fixe. Mais bah, typiquement, pour tout ce qui est menuiserie ou autre, quand la place de baliste, j'étais dans mon atelier qui, lui, est abrité. Bon, bah, vu que je viens de déménager, il n'est pas encore fermé, tout ça, mais j'étais en intérieur avec mon établi, tout ça. Et surtout, tu n'as aucune, enfin presque aucune production de déchets non recyclables, bah, moi, en fait. Mon déchet, c'est le bois. J'ai que des copeaux. Voilà. C'est ça. Bah, justement, c'est une remarque que j'étais quand je travaillais dans la Somme. Je faisais donc aussi même la charpente traditionnelle en pan de bois et en restauration, et on sait aussi de l'ossature bois. Donc, c'est ces panneaux montant 75-35, en général rabouté collé, panneaux OSB, frein vapeur, tout le fameux maison Tupperware. Et on était là, et ça, c'est ce qui est vendu comme étant la construction écologique. Et à un moment, avec mon patron, on s'est rendu compte, mais. Alors, oui, c'est une super efficace thermiquement, on n'utilise que du bois ou des dérivés du bois. Mon patron qui faisait attention à prendre la marque de panneau d'OSB qui ne met pas de colle avec plus de temps de trucs, la marque de fibre de bois qui est la plus respectueuse en filière sèche pour éviter la filière humide. Enfin, il réfléchissait à ça. Les montants en ceinture bois, on les faisait en peuplier ou en douglas scié local pour ne pas prendre de l'industriel qui vient de bois de France recollé. Enfin, sacrément réfléchi quand même pour le ceinture bois et là-dessus. Et on se rendait compte que c'est quand on fait de le ceinture bois et la construction écologique qu'on devait aller à la déchetterie. Pour mettre, pourquoi? Parce que c'est les emballages, des panneaux d'OSB, des rouleaux de scotch, de l'isolant. Alors que quand c'est un pan de bois, donc la construction à l'ancienne, qui du coup peut être très efficace thermiquement, il n'y a aucun problème à la rendre aussi efficace et aussi confortable qu'une maison moderne, avec les mêmes conforts, bah là, notre seul déchet, c'est des chutes de bois. Et là, c'est ce que je fais moi quand je travaille, mon seul déchet, c'est de la chute de bois. Après, je mens un peu parce que c'est vrai que l'autre chantier là, qu'on fait du coup, avec Paul et Fanche, du coup, c'est un solivage. Donc, on a 200 solivés carrés, porteuses, on vient poser sur les corbeaux en maçonnerie. On a eu deux cartons de pointe vides en déchets aussi parce qu'on a dû clouer les solives, du coup, on a les deux cartons de pointe. C'était nos seuls déchets du chantier. Et alors, par rapport à la gestion du bois, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode effectivement de l'ossature bois et qu'un arbre, on est d'accord que ça met un temps impondérable pour pousser. Alors, comment ça se passe là, toutes ces questions-là. Justement, ça vient de quel est le bois dont on a besoin. Et quand on va travailler à la hache et écarrer une pièce de bois, on ne cherche pas de gros diamètre. Parce qu'on veut l'arbre le plus proche possible de la poutre qu'on a. Du coup, dans l'idée, c'est que j'ai fait des bâtiments qui étaient faits pour être un arbre extérieur. Du coup, on n'a pas cherché à faire une maison avec. Mais il suffisait de rajouter des pièces pour faire un pan de bois, on avait une maison. L'arbre le plus âgé qu'on a utilisé, il avait 16 ans. Ok, donc ça se passe. Donc en fait, c'est la maison qu'on a faite, elle va tenir l'abri, s'il ne tient pas 16 ans, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Voilà. En fait, c'est un choix de comment est-ce qu'on gère sa forêt, ce qu'on cherche en bois. Nous, le bois qu'on utilise en bois d'œuvre avec mes collègues, une partie du bois, c'est du bois fourni par l'ONF, qu'on achète à l'ONF, et c'est du bois qui est vendu comme bois de chauffage parce qu'il est considéré comme trop petit et pas assez droit pour passer pour une scierie. Nous, actuellement, là, on a le tas, et quand on finit notre plancher, là, notre solivage, on attaque une maison d'habitation complète avec. Une maison qui fait 6 mètres par 11. C'est du bois de chauffage. Donc, qui est vendu moins cher par l'ONF et qui est déclassé. Okay. Et qui a, disons, une cinquantaine d'années. Et quand on voit les vieux. On parle d'archéologie, archéologie expérimentale. Il y a Frédéric Epo, chercheur au CNRS du coup, sur le bois et qui a fait beaucoup d'excellents travaux sur la charpente médiévale. Ce qui est bien avant, c'est qu'une charpente de cathédrale, qui a beaucoup travaillé sur le Bourges, la moyenne d'âge des chaînes utilisées ont 60 ans. La charpente, maintenant, elle a plus de 800 ans. L'arbre avait 60 ans, et ils ont sorti dans ces pièces des pièces de 14 mètres. Donc, ce n'est pas un arbre qui va faire 2 mètres de haut, mais c'est un soie de sylviculture, donc c'est de la taille souffûtée,
C'est des modes de sylviculture. Et en fait, tant qu'on la scierie, c'est très intéressant pour certains trucs. Moi, je m'en sers peu, mais je ne peux pas nier l'intérêt d'une scierie. Hein. Je ne dis pas que la scierie, il faut tous les éteindre et les fermer. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est que les scieries ne veulent pas un petit arbre comme ça. Oui. Mettre un petit arbre comme ça, ça ne sert à rien. Eux, ils veulent des gros arbres. Du coup, bah, un gros arbre signifie quoi? Plus de temps de croissance, du coup, plus vieux. Du coup, on abat des arbres plus âgés. Oui. Nous, l'ONF, quand on parle avec notre agent, notre expert forestier qui est exceptionnel et qui nous fournit ce bois-là, il comprend, et là, on est en train de modifier, parce que ça fait plusieurs fois qu'on achète avec lui pour du coup essayer de peaufiner pour avoir le mieux en mieux ce qu'il nous faut. Oui. Déjà, ce qu'on prend, ce qui est trop petit pour une scierie, pour nous, on dit que c'est déjà presque un poil trop gros. Donc, il y a vraiment ce côté de ce bois, c'est un matériau recyclable, il faut l'utiliser à bon escient et intelligemment. Mais le fait de travailler à la main, on va pouvoir travailler des arbres plus jeunes, du coup, avoir des cycles de gestion plus courts. Et il n'y a pas ce côté d'abattre des arbres gigantesques, en fait. Et puis, la forêt fournit aussi plein d'autres ressources, en fait. Typiquement, si on parle sur de la gestion de forêt en taillis, donc la taillis de châtaignier, c'est une autre ressource qu'on utilise, dans laquelle, pareil, on a fait une petite maisonnette avec ce taillis. C'est une taillis qui a été plantée il y a 25 ans. Dans ces arbres qui ont 25 ans, on sort des pièces qui font certaines 24 par 24 cm sur 4 mètres de long. Okay. Voilà. On a sorti une maisonnette complète, on a sorti nos 200 solives dedans, et c'est du châtaignier. Donc on a coupé l'année dernière, ils ont déjà commencé à rejeter. Donc c'est-à-dire qu'on a de nouveau des branches. Donc c'est qu'on a déjà rejeter, un arbre. Ça veut dire que ça repousse, c'est ça? Il repousse de la souche en faisant des perches. Donc ça a d'autres inconvénients que ça peut amener, oui. Le fait que du coup, il y a c'est un moins de renouvellement d'essence, de l'espèce, parce que c'est les mêmes racines qui rejettent. Ouais. Des choses comme ça, des approvisionnements de sol, parce que c'est pas toujours la même chose. Ça peut amener d'autres problèmes. Mais d'un point de vue production de bois et accessible de la matière, là, on a battu des arbres qui ont été plantés il y a 25 ans. Nous, on fait avec cette forêt-là, on fait des maisons complètes, il n'y a aucun problème, donc 25 ans. Ils rejettent. Avec des rejets châtaigniers, j'ai pu faire déjà des constructions, comme je dis, avec 16 ans d'âge. C'est un tout petit bâtiment, hein, c'était 3 mètres par 6. Mais l'idée, si on voulait faire une maisonnette, on pouvait. Ouais. Voilà. Par contre, en effet, ça demande de s'adapter à la matière, à sa conception et à son mode de constructif. Voilà. Et ces rejets-là, on va aussi en faire de la construction, mais on peut aussi faire pour tout ce qui va être l'attache, pour le torchis, pour les remplissages, pour des manches, pour des clôtures. Enfin, voilà. Le bois, une forêt, de nos jours, on le voit en général, je caricature un peu, hein, oui. Mais soit c'est une forêt de plaisance, on se promène, ou de chasse, ou c'est une forêt de production de bois d'œuvre, et du coup, ce qu'on veut faire quoi? On veut des troncs pour faire des poutres. Mais la forêt, justement, dans quelque chose qui, moi, maintenant, m'énerve un peu. Je suis très déçu quand on est à l'école et qu'on va parler de l'histoire, on va parler on va parler du Moyen-Âge. La France médiévale, la France rurale et la France urbaine. Mais il y a la France forestière. Et il y avait jusque 1950, des villages entiers en forêt, vivant de la forêt en forêt. C'était les sabotiers, les bûcherons, les scieurs de long, les feuillardiers, les mérandiers, et tous ces métiers de la forêt. D'ailleurs, il y a des bouquins entiers dessus, on a des mémoires dessus, qui est ignoré. Soit c'est de la France rurale agricole qui font de l'agriculture, soit c'est de la ville. Alors qu'il y a des gens qui vivaient de la forêt, et une forêt est gérée complètement de A à Z. Il y a énormément de choses. Nous, sur cette taillis de châtaignier, par exemple, on abat un arbre pour faire une poutre. Dans le pied, on va faire de la poutre. Quand le pied, il est trop gros, pour faire la poutre, on va la prendre plus haut, on garde le pied pour faire un truc plus gros ou pour faire du bardeau, de la latte ou les refendre pour faire d'autres pièces. Ou alors écarrer plus gros et on va le rossier de long pour en faire plusieurs dedans. Parce qu'on ne peut pas gâcher de la matière en écarrant une pièce trop grosse. Donc ça, c'est dans le tronc principal. On débranche l'arbre, on abat à la hache, on coupe au passe-partout, on débranche à la hache et à la serpe. Dans tous les branchages, ça passe en fagot. Fagot, bah, chauffage, four à bois, four à pain. Il y a de plus en plus de boulangers qui sont intéressés par des fours à bois actuellement. Hein. C'est bizarre quand même. Donc, ils seront bien contents d'avoir nos fagots. Mais c'est dommage, c'est quand même pour nous. Après, tout ce qui est un peu plus petit en diamètre, un petit 5 cm de diamètre, soit s'ils sont propres, ils peuvent passer pour des piquets, des petits piquets pour des petites perches, pour du plessis. Sinon, moi, je le passe en charbon de bois pour forger. Et tout ce qui va être diamètre un peu bâtard, dans un 10 cm, donc soit, quelquefois, on n'a pas besoin en charpente, quelquefois, on en a besoin. Mais ça va partir soit pour de l'étayement, donc nous on va les carrer pour étayer nos bâtiments quand on doit faire du sous-œuvre, relever un bâtiment, tenir quelque chose, faire de l'échafaudage, faire des piquets de clôture, faire des clôtures, faire de l'ameublement. Donc à la fin on abat un arbre, tout est utilisé, il va faire des rejets, il va repartir. Tout ça dans la bonne humeur, sans bruit, parce que la tronçonneuse, voilà, le bruit, c'est une notion qui moi j'ai mis, c'est.
J'ai oublié son prénom, Sylvain, qui m'avait contacté il y a quelques temps, en me disant, ouais, voilà, j'ai fait un mémoire sur le son. J'aimerais bien t'arriver par rapport au travail, rapport au son. Et moi, j'étais là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Je me viens, je ne sais pas ce que je vais dire. Et du coup, j'ai réfléchi. Et non, il y a énormément de mes choses que je vais faire dans mes actions par rapport au son. Et ben voilà, la forêt, du coup, cette forêt, je t'avais dit, en exemple, elle ne nous appartient pas. On a accord avec le propriétaire et donc on s'en occupe. Et le propriétaire, le week-end dernier, quand moi j'y étais pour faire du charbon, était là et venu faire du bois de chauffage. Alors déjà, nous, on a un peu mal au cœur parce qu'on a vu des coupés pour faire du bois de chauffage, des arbres comme ça. Non, nous, ça, on a une magnifique poutre. Prends la tête pour faire du bois de chauffage, t'as pas besoin de ça, tu peux prendre des trucs grands comme ça, ça ira, quoi. Ou ceux qui sont morts au sol, enfin, voilà. Et donc moi, j'étais là, bah, j'avais ma serpe, je coupais mon bois pour débiter, pour faire lancer ma charbonnière. Et puis là, bah, il lance sa tronçonneuse. Bon, il s'arrête, je continue, il relance sa tronçonneuse. Bon, bah là, j'ai renvoyé les affaires et je suis parti, en fait, parce que... Ça t'a trop agressé. Hein. Ouais, en fait, j'ai juste perdu l'habitude et ouais. C'est tellement un confort. Et nous, on est là, bah, c'est très doux, en fait, c'est ce son-là son de toc-toc. Ouais, il y a un toc-toc, un chou, on entend les oiseaux, on a des biches qui passent devant nous quand on travaille. Et c'est voilà. Tellement moi, beau. Dans mon atelier, ouais. Dans mon ancien atelier, du coup, j'ai déménagé, j'avais mon établi. Au-dessus, il y a des pièces de bois rangées, du trébuchet que j'ai fabriqué qui étaient démontées, et des mortels. J'avais des oiseaux qui avaient fait leur nid au-dessus de mon établi et qui faisaient des allers-retours quand je travaillais dans leur nid. À Guédelon, au faîtage, on avait des nids énormes tout au faîtage de notre atelier. On a un rapport qui est tellement différent au temps, au bruit, et on a un rapport qui est différent, bon, rapport au temps, en effet, on va être plus long sur le mode de fabrication, en effet, parce que bah, y a aussi un côté à ne pas oublier, c'est que, en général, un charpentier de nos jours, quand il vend un temps de travail, il vend que la taille et la pose de la charpente. Dans son temps, que lui, il met dans son emploi du temps, il n'a pas toute la production de poutre qui passe à la scierie et le travail forestier, alors que nous, on l'englobe. Parce que bah, personne ne vend des poutres écarries à la hache. Alors que du coup, bah, c'est pour ça que si on prend plus de temps. Et dans le fond, quand on revient sur le temps taille pure et dure de charpente, bah, on est assez similaire, alors que je vais travailler beaucoup, beaucoup à la main. Ou alors, on sera plus lent, mais vu que mon investissement de machine il est moindre et qu'il n'y a pas de consommation électrique, on s'y retrouve totalement en fait. Voilà. Et que bah, du coup, moi, j'ai réfléchi toute ma conception pour pouvoir être rentable et le faire à la main. Et bah, après, c'est le temps aussi pour être efficace et apprendre à être efficace dedans. Donc, il y a ce rapport au temps qui joue. Et en fait, c'est vrai qu'on revient totalement maître, nous, de notre temps. On est justement cette notion de liberté. Ouais. On a une liberté exceptionnelle là-dessus. Mais je sais. Et c'est ce truc de reconnexion à la nature dont on parle tant. Parce que là, donc, il y a les bâtiments. C'est normal, c'est des bâtiments de travail. Mais on s'est tellement éloigné, en fait. Et j'ai une amie qui m'en parle. Et c'est vrai que ça manque. Ça manque, ça. Ce temps de pause, en fait, et de communion. C'est... Parce qu'on est toujours speed. Et moi, je le sais, hein, naturellement, j'ai ce tempérament-là. Mais c'est vrai que se poser dans la nature, c'est tellement... Voilà. Et il y a cette capacité, nous, quand on va travailler, ou comme je dis, on est au même prix qu'une autre boîte, donc c'est pas voilà, on n'est pas réservé à une élite richissime et on ne veut surtout pas être réservé à une élite richissime. Et donc c'est pour ça que justement, on est encore à faire certains compromis, quelquefois de machines, quand on a des très grosses grumes à recouper, où en effet on pourrait le faire à la main, mais bah, le temps, on a une tronçonneuse et l'accès à la tronçonneuse reste quand même simple et reste un outil considéré par beaucoup de gens comme étant un outil low-tech parce que ça reste qu'un moteur à explosion très simple. Moi, l'outil low-tech, c'est ma HMAC, c'est des visions du low-tech qui sont différentes. Donc, on fait ces compromis-là pour justement rester aussi abordable dans un prix et compétitif dans un monde où nous, on veut démocratiser ces techniques-là. C'est très bien. On ne veut pas rester, on ne veut pas du tout accéder à une clientèle élitiste. Et donc, on arrive à cette dernière question rapide. Ouais. Pourtant, la réponse est tellement longue. Ouais. Ok, quid de la transmission pour toi? Parce que là, tu es en train d'acquérir des connaissances, tu travailles à plusieurs. Mais est-ce que c'est ça. Voilà, l'association, tu l'as voulu. Donc oui, au fil de la hache. Oui, du coup, c'est l'association du coup, de mon collègue Paul et moi qu'on a monté. Parce qu'on veut transmettre tout ce qu'on a pu apprendre, le travail à la hache, l'écarissage, cette notion de, aussi qu'on va appeler, que j'aime bien appeler, donc nous, c'est quand c'est très bois, mais d'artisanat rural, justement, qui n'est pas l'excellence. Non, l'artisanat rural, un truc simple, efficace, avec des outils basiques qu'on va retrouver dans toutes les fermes, en fait. Et qu'on retrouvait avec des fois des bois tordus, moches, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Et donc on a monté cette association-là pour ça, pour transmettre, et avec lequel on va faire, nous, des stages de formation. Alors aussi, pourquoi on voulait cette association? C'est qu'on tient à fortement discerner notre entreprise et notre travail professionnel, où on vend à un client, à stage formation et transmission. Moi, dans mon entreprise, je vais prendre des stagiaires, des apprentis, voilà, mais... Quand on fait un stage, ce n'est pas nos entreprises. Les bois qu'on fait écarrir à nos stagiaires, s'ils veulent les rembarquer, ils les rembarquent. Et jamais on ne posera une pièce de bois faite par un de nos stagiaires avec un stage au fil de l'âge sur un de nos chantiers.
Jamais. Ça, c'est très séparé. Parce que justement, on ne veut pas être, comme on a pu voir, certains qui ont un modèle économique de leur entreprise et qui disent « oui, nous, on travaille à la main parce qu'en fait, ils font faire la moitié des trucs par les stagiaires, puis après, ils revendent le projet des stagiaires. Oui. » Il y en a dans certains pays qui font des trucs qu'on trouve très moyens. Et donc, c'est pour ça qu'on a séparé deux. Mais du coup, au fil de l'âge, on va reprendre et reparler de ça, nous, notre but, ça va être du coup de transmettre ce savoir-là. Donc actuellement, on organise plutôt des stages, et des, enfin des stages, si, des initiations à l'écarissage. Parce que comme on dit, ce n'est pas après un week-end où nous, on vous a dit comme un écarisseur que vous savez écarrer une poutre à lâche. Vous avez les clés et après, c'est de la pratique. Et nous, on va aussi vous donner du coup les clés techniques, les astuces. Pour nous, en fait, pour moi, comment je vois la formation, c'est un accélérateur d'apprentissage. Parce que moi, une grande partie de ce que j'ai appris à travailler à la main, j'ai eu des gens qui m'ont donné des conseils à droite à gauche, mais c'est beaucoup d'expérimentation seule, donc beaucoup d'erreurs, d'échecs, oui, de reprises, ce qui m'a permis d'accéder à toutes les nuances que je peux connaître. Mais d'un autre côté, est-ce que tout le monde a besoin de connaître ces nuances? Non. Je veux dire, les heures que j'ai passées à comprendre comment parfaitement ajuster ma hache, bah, c'est cool si je peux quelqu'un lui donner ça, il aura tout un outil qui marche, il va être content, et après lui, il prendra le temps besoin, de comprendre, de changer pour adapter. Mais d'abord, déjà, les deux, ces clés-là. Et donc, c'est un peu le but qu'on a avec cette association-là, c'est de faire ça, c'est de transmettre. Donc, d'organiser ces initiations, transmettre. On a des différents autres projets qui sont un peu en tête, hein, peut-être un peu plus d'affûtage, d'autres points du travail du bois. Mais voilà, actuellement, nous, on est serein et à l'aise à se dire, et on a aussi les moyens techniques pour faire de l'initiation à l'écarissage. On a les outils pour, on fournit les outils. On cherche aussi fortement à impliquer sur la sécurité. Nous, en tant que professionnels, on se doit de montrer un exemple. Parce que bah, en plus, moi, je fonctionne tout sur, par rapport à l'exemple. Je veux montrer l'exemple de comment je travaille, comment je vis, comment je réfléchis. Pour, si je veux promulguer ça. Et donc, nous, la sécurité, elle est très importante. Chaussures de sécurité en permanence. On a des protège-tibias pour se protéger les tibias. On réfléchit à nos positions de travail pour une ergonomie de travail, pour qu'elle soit durable, qu'on ne s'use pas physiquement la santé, enfin au minimum, parce que dans le bâtiment, quoi qu'il en soit, on s'use. Mais éviter les risques d'accident. On va vraiment rester là-dessus, parce que pour nous, c'est un point qui est important. Si on veut justement pas être dans ce travail à l'ancienne folklorique de fête de village, pour passer sérieux auprès d'un architecte, d'un client et de tout ça, bah, c'est pas en étant pieds nus sur un bout de bois parce qu'on est zen. Faire ça chez soi, il n'y a aucun problème, mais c'est chez soi. Auprès d'un client et à vulgariser cette technique-là, il faut passer comme étant des gens sérieux. Nous, sur nos chantiers, maintenant, on est très rigoureux parce qu'on l'a appris et en fait, ce n'est pas compliqué. Casse de chantier, harnais, harnaché, ligne de vie. En fait, c'est juste vraiment, comme on dit, chez les habitudes, et c'est prendre le temps de le faire. Et une fois qu'on a pris l'habitude, le temps de le faire et qu'on sait le faire, on se rend compte que c'est super simple, en fait. Mettre ses protège-tibias quand on écarie, au début, ah, c'est pas confortable. Mais non, c'est juste une histoire d'habitude. Le casse de chantier, ah, on se cogne tout le temps. Bah, c'est juste, en fait, bah, prendre l'habitude de dompter qu'il est là. C'est ça, ton espace. Voilà. Mais c'est tout, une fois. Mais c'est passer cette quête d'un peu de petit inconfort du début, et après, on a un gain de sécurité. Et c'est là-dessus que, pareil, pour moi, il y a une différence entre le travail à l'ancienne, on va dire, folklorique, et pour nous, le travail de demain, c'est qu'on est ancré dans cette réalité de sécurité, de chantier, et on y tient. Parce que, c'est ce qu'on, de nos jours, on a la chance de pouvoir être harnaché, éviter de mourir à la moindre chute parce qu'on aura un harnais, ou de devoir aller à l'hosto parce qu'on s'est foutu une hache dans le tibia. Bah, on peut l'éviter en mettant un simple protège-tibia. Alors moi, bon, j'ai des protège-tibia plus chers et plus complexes, parce que j'ai décidé d'investir dedans et parce que je le fais à plein temps. Mais le moindre protège tibia, délagage en plastique qui coûte entre 10 et 30 euros selon où on les achète, font le travail et évitent des allers-retours à l'hosto. Bah, c'est dommage de ne pas en profiter, en fait. Oui. Voilà. Et l'inconfort, non, l'inconfort, c'est oui, en effet, c'est moins classe. Ça, voilà, c'est sûr. Mais voilà, c'est des choix et c'est pour ça que nous, on tient vraiment à cet ancrage et ce réalisme de chantier et cette notion de sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces stages-là. C'est pour donner ces clés-là. Afin que les gens puissent travailler en sécurité, être à l'aise. Et aussi, dans notre notion, alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'écarissage et la production d'une poutre à lâche, on a une étape de dégrossier et définition. Et en général, comme moi, quand j'ai appris et tout ça, on me dit, bon, bah, faut une hache de dégrossie et faut une doloire. La doloire, la hache de finition, une hache très spécifique, un seul biseau, désaxé, voilà, pour faire sa finition. Du coup, tu es là et tu dis que bah, tant que tu n'as pas cette fameuse doloire, qui sont un peu plus dures à trouver en vigournier, tu ne peux pas le faire. Alors qu'en fait, bah justement, quand on regarde les trois quarts des bâtiments, bah, c'est pas fini à la doloire, c'est fini avec une hache lambda quelconque. Ouais. On le voit à la trace de l'outil. Il y a des bâtiments finis avec des haches de finition, moi j'en ai qui utilisent tout ça, mais la majorité n'a pas besoin. Les trois quarts des gens qui sont là, je pense, cet artisanat rural, il n'y en a pas besoin.
Et du coup, nous, quand on forme les gens avec Carissage, on les forme avec la hache la plus mais bateau du monde. Oui, la polyvalence. L'idée, ça, c'est ils essayent ça. Et après, s'ils veulent en faire leur métier, ils peuvent s'amuser à se spécifier, avoir une hache plus grande, plus lourde, plus adaptée, plus efficace, plus rentable. On ne les forme pas à être rentables. Des spécialistes immédiatement. On les forme déjà à donner envie, comprendre c'est le ça. Bois. Il faut comprendre le bois, il faut comprendre la matière, il faut comprendre l'outil, comprendre les réglages. Et après, moi et des avoir collègues, plaisir. Ouais, c'est ça. J'ai des collègues avec qui je travaille, on a la même cadence de travail, nos outils sont drastiquement opposés. Voilà. Que ce soit poids, réglage. Oui, mais c'est pas grave. Parce que vous travaillez c'est la beauté justement du travail à la main aussi. Et cette différence entre les autres. Voilà, on a la différence et que l'outil peut s'adapter à chaque corps et à chaque personne. Il y en a qui ont besoin de grands manches, d'autres des petits manches, des haches lourdes, légères, un biseau, deux biseaux. Il n'y a pas de règle, justement. Et vouloir normer ces techniques-là, il y a un côté où on a besoin pour pouvoir les démocratiser et rentrer dans le cadre légal d'une construction. Mais vouloir les normer, ça a un coût aussi à standardiser ces techniques. Et du coup, perdre cette diversité. C'est l'avantage même du travail à la main, qui est l'adaptation de l'outil au corps. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, voilà, moi, je le vois bien. Ma hache que je me suis fait forger par rapport à mes besoins, on me la retire, je me sens à poil. Elle est vraiment, elle est clé pour moi. Elle est faite pour moi. Elle n'est pas faite parfaite pour tout, mais je l'ai réfléchi pour moi, mes besoins, ma recherche de polyvalence, de mode de travail. En effet, quand je vais faire du très gros écarissage, des 30-30, elle n'a plus aucun intérêt. Et là, j'en ai d'autres. Mais pour mon utilisation lambda de tous les jours, elle est exceptionnelle. Et elle est faite pour ça. Et donc, c'est ça la beauté. C'est pour moi aussi la différence justement entre un professionnel et un amateur. Un amateur, il peut se permettre de faire ça avec n'importe quel hache lambda qu'il aura trop envie de grenier, retaper, acheter neuf. Voilà. Il n'a pas de recherche d'efficacité et de rentabilité. À partir du moment où tu veux, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent travailler à la main, plus c'est carré et route, il y en a de plus en plus, et c'est super, et j'encourage ça. Et mais avant, il faut accepter que tu ne vas pas investir dans 800 balles dans une tronçonneuse, par contre, il va falloir que tu investisses 800 balles dans une hache. Et là, il n'y a pas le choix, en fait. Si tu veux gagner cette rentabilité, ou alors, il faut avoir un coup de bol phénoménal pour trouver l'outil qui te convient parfaitement en vide-grenier. Moi, j'ai acheté des centaines de haches en vide-grenier que j'ai affûtées, mises en état et utilisées pendant des heures avant de trouver les quelques-unes que j'ai qui sont des haches anciennes, voilà. Mais voilà, j'ai des caisses de haches complètes que j'ai, que je vends, que j'échange, que je troque, que je vais prêter à mes stagiaires pour justement qu'ils puissent trouver quelque chose qui leur correspond. Et après, quelquefois, un peu plus de poids là, un peu plus de poids là. Et ça, il n'y a que l'artisan taillandier qui pourra nous les fournir. Et donc, c'est là la différence justement entre l'artisan rural, l'artisanat rural qui va être très bateau, lambda, où tu t'adaptes à ce que tu as, et le professionnel. Voilà. Et si on veut tracer un parallèle moderne, même si l'éducation des artisans de nos jours et des clients n'est pas faite comme ça, mais on voit un professionnel qui débarque avec un outil Parkside Lidl pour faire sa maçonnerie, on prendra vachement moins au sérieux que s'il débarque avec du Miwoki, Et dans l'idée, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte sur l'outil à main, parce qu'il n'y a pas la peinture en couleur qu'il remarque et qu'on n'a plus cette éducation-là. Ce n'est pas pour autant que des outils industriels moins chers ne sont pas bien, mais tu ne pourras pas arriver à la même finesse d'ajustage et de rentabilité et de durabilité qu'avec un outil artisanal et ajusté sur mesure. Et pareil, il y a aussi le côté où l'ajustement sur mesure va permettre de limiter l'usure du corps et le confort de travail, ce qui est essentiel si on veut faire ça tous les jours. Quand en effet, cette hache elle pourrait carrer deux poutres dans l'année parce qu'on doit refaire son poulailler ou parce qu'on a une serre, parce que quelquefois on fait un peu de son bois de chauffage à la main et du coup on s'en sert, ou en effet une serre pas parfaitement ajustée, ça ira très bien. Par contre, quand nous, on fait des journées complètes où on abat 10 arbres par jour à la hache, qu'on débite en longueur au passe-partout, qu'on fagote et qu'on fait tout et qu'ils sont rangés, qu'à la fin de la journée, tout est rangé, on a intérêt à avoir des haches qui sont bien réglées, des serpes qui tournent et des trucs parce que sinon, les poignets, on les sent, les bras, on les sent, la coupe est moins propre, on est moins efficace, on force plus, on se fatigue plus, on s'énerve, on n'aime pas ce qu'on fait et du coup, on a la flemme, on va prendre une tronçonneuse. Il y a aussi ça. C'est quand on a la flemme qu'on va prendre ça, Merci Gustave. Après la tronçonneuse, pour le dire, même si cet outil m'énerve sur plein de points, en sous-œuvre, c'est quand même sacrément cool. Je te remercie beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'en dit notre réalisateur? Il fait un pouce en l'air. On peut continuer ou pas? Alors, on a bossé sur la baliste parce que le temps passe et les échéances approchent. Ouais. En tout cas, je te remercie énormément. Ouais, et j'espère que ça servira, mais d'ailleurs je le pense, à plein de gens qui veulent se lancer là-dedans, parce que ça se démocratise. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, cette notion de partage, d'échange, elle est importante là-dessus. Je sais qu'on est plusieurs
dans ce domaine-là, et pas, enfin, dans ce domaine, et pas que dans ce domaine. Il y a des tailleurs de pierre dans le coin qui font des trucs très sympas dans les îles. Et c'est bien important d'avoir ça, quoi.